Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K19. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou, et aujourd'hui c'est le combat proposé par un abonné qui s'appelle tout autre que The Ends, qui me dit, hey Cody, pourquoi pas, pourquoi tu fais pas, pardon, Seth Rollins versus Brock Lesnar en match TLC pour le titre US à SummerSlam. Tu prends Seth Rollins, il a tout dit, The Ends. Et aujourd'hui, on va faire ton match. J'espère que ça te fait plaisir. N'hésitez pas, les petits loups, si vous avez des matchs aussi à proposer, bah, proposez-les-moi en commentaire. Plein de matchs comme ça, je vais en faire plein parce que bah, je pars en vacances début décembre. Du coup, il va falloir que je fasse au moins 10-20 vidéos en avance. Comme ça, au moins, je serai sûr de pouvoir vous publier des vidéos pendant que moi, je me la couler douce, etc. Ce sera plutôt cool. N'hésitez pas aussi à poster un petit commentaire bah, si vous aimez cette série. Et puis, allez, on est parti. Après, si tu as envie de laisser aussi un petit like à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça ne mange pas de pain. J'aime bien dire ça. Allez, on est parti. Brock Lesnar versus Seth Rollins. J'ai Seth, bien entendu. Hein. Ouais, j'espère que ça se passe bien. On est moins bien noté. Il me semble qu'on a 4 ou 5 points de différence avec Brock Lesnar. Mais là, on est sur un combat TLC. Ça va être compliqué parce que l'ordinateur, comme d'habitude, lui, ce qu'il a envie, c'est avant toute chose... voilà, ça va. L'ordinateur, ce qu'il a envie, lui, à chaque fois, c'est de prendre la manette à tout prix. C'est ça qui est un petit peu dérangeant, assez souvent. Mais bon, on va quand même essayer de faire les choses bien comme il faut. Hop là, toi, tu pars en prise directe. Allez. C'est vrai que ça pourrait vendre du rêve, pardon, excusez-moi. Peut-être pas que le match se fera pas pour le titre des États-Unis. Voilà, ça je pense pas. Mais un petit match Rollins-Brock Lesnar, pourquoi pas. Parce qu'il y aurait même des spéculations. Alors on a glissé. Alors c'est normal, tu transpires tellement qu'à un moment, on n'est pas comme sur un match de hand, de basket ou autre, où il y a des gens qui nettoient le terrain pour que ça glisse pas. Faut faire attention quand même. Faut prendre des bottes anti-dérapant. Hein. Oui, regarde. Ah oui, d'accord. Ça fait la deuxième fois qu'il me bloque, celui-là. Vite, attends. Je voulais taquer avant, mais heureusement, au niveau des contres, on est là. On est opérationnel. Je pense même qu'on est tellement opérationnel qu'on va le... Allez, relève-toi. Je t'attends. Je sais pas s'il a assez d'allonge. Je pense que oui. Seth, Foki, Rollins. Oh là là, il l'a touché genou contre genou. Quelle impulsion. Ah, j'ai eu peur de la blessure, hein. Ce serait bien qu'un catcheur puisse se blesser, je sais pas si c'est possible. Ah, vous me semble que c'est possible qu'un catcheur se blesse en plein combat. Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que j'en dis, donc si j'en dis, corrigez-moi comme d'hab. Hein. Mais une petite blessure en plein combat, tu vois. Ça serait stylé, je trouve que ça apporterait. Pas forcément une vraie blessure, hein. Mais genre qu'il puisse plus se servir, je sais pas, de son pied gauche comme il devrait s'en servir. Qu'il boite un peu. Enfin, vraiment, rendre la chose plus réaliste. Après, je sais qu'il y a plein de personnes qui préfèrent le côté plus... plus arcade. Après, ça serait peut-être une option à activer ou pas dans les options. Brock Lesnar, tu vas plus pouvoir contrer. Il n'a qu'un t-shirt de Kurt Angle. Ça me plaît pas. Et je casse. Je casse du Lesnar. Je casse du Lesnar. Voilà. Vilain. Tu vois ce que ça fait? Eh ben ouais. Alors pour l'instant, j'ai envie de dire, tout se passe pour le mieux. On n'a aucun souci à se faire. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un contre qui revienne comme ci, comme ça. Alors, hop, tu vois, tu te relèves. Ouais, je sais qu'il allait faire ça. Là, normalement, il est bien pile poil. Voilà, tu ne bouges pas. Voilà, c'est parfait. Attention à la bouteille, ça peut faire mal. Voilà, on a dégagé la bouteille sans le vouloir. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va éclater. Bah oui. Eh ben oui. Je l'ai vécu ce moment-là. This is awesome, mais vous avez rien vu encore. Si vous pensez que ça c'est awesome. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une table en bas. Je voulais la placer en bas justement. Ah, maintenant je suis bien bête avec une table comme ça. On va la mettre au coin. Ah, ne bougez pas. Hop là. On la prend. Et on va la placer en haut à droite. Ça me paraît plus judicieux. Comme ça, au moins, on a un plan d'attaque à gauche et un plan d'attaque à droite. Ah, là, on est complètement fou, là. Oulala, il part le contrôle. Hop. On le met ici. Ah, est-ce qu'il va se prendre la table, là? Ah, d'accord.
Est-ce qu'il va se prendre la table? Et bien sûr que non. Oh, l'étranglement. Enfin, c'est pas un étranglement, si. Bah, la corde va étrangler. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un étranglement? Je ne sais pas. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a plus de compte. Donc là, si je te... Ah, ok. Bah, complètement... Enfin, il est en train de m'emboucaner, hein. Comme dirait nos amis sudistes. Tu m'emboucanes, hein. Ah, déjà d'une, tu viens ici et tu vas déguster. Voilà. C'était pas prévu à la base, hein. C'était pas prévu, mais vu que tu veux m'emboucaner... Voilà. Alors, on a le spécial, mais si on va attendre un petit peu, on l'observe. Tu es ma proie. Alors, tu veux pas le soulever? Tu veux pas le relever? Allô? Il a pas forcément envie. Voilà, maintenant il veut. Il avait pas envie. Il est fatigué, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Attention. Ah là, il y en a deux. Et bim! La table a explosé? Bien sûr que oui. Non, non, tu sautes, tu sautes. Mais même pas, c'est assez... C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette table? Attends, je suis dessus. Oh, elle a même pas explosé. Oh, je suis déçu. Oh, la déception. Oh, là, oh, je suis déçu. Oh, bah, là. Je suis désolé, mais là, tu vas subir. Si je place une table... Genre, ici... Tu vois, là, elle est bien, là, toi. Mucha caliente. Ouh là là. Mamacita. Ok. La table qui tombe, ça me plaît pas. Alors pour l'instant, on peut dire que Brock Lesnar est dans le mal. Allô, tu peux poser la table? Ah, mais là, elle est peut-être un poil loin, tu vois. Mais c'est pas grave. On va quand même... Voilà, ne la fais pas tomber, s'il te plaît. Je te demande juste une chose, c'est que tu ne la fasses pas tomber. Hormis ça, moi, il n'y a aucun souci. Bien joué. Alors, maintenant, la règle du jeu est la suivante. Oui, mais faut le mettre... Attends, tu ne bouges pas. Par contre, soit c'est mon stick qui déconne, soit il veut plus le relever. Ça, c'est une vraie question. Mais je crois... Là, il veut le relever. C'est bizarre, quand même. Attends, il va se prendre... Oh, je crois qu'il va se prendre le poteau. Tu ne bouges pas. Aïe! Pourquoi tu... Aïe! Pourquoi tu fais ça? Non, bah, ok, bah, d'accord. Ok. Je peux m'enfuir. J'aurais pu m'enfuir là. J'ai pas été. J'ai pas été assez réactif. Mais tellement il m'étrangle fort, ça. Même moi je m'étouffe. C'est le coup qui marche même en vrai. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah le temps qu'il a récupéré quelque chose. Prends pas juste la table, prends pas la table s'il te plaît. Voilà, prends ce que tu veux sauf la table, s'il te plaît. Voilà, tout ce que je te demandais. Bien joué. Bah bien sûr. Ouh, la contrée. Je sais pas comment je l'ai contrée. Il me semble pas avoir contré, mais... Non, bah... Non, vas-y. Fais ça. Et plus tard, il me contrée. Hop. Tu te mets ici. Normalement, de toute façon, tu peux plus rien faire. On est bien. Tu peux pas le mettre à l'eau. Voilà. On attend un petit peu. Normalement, le Oh My God devrait se faire si... Son endurance... Allô, Oh My God. Genre, tu veux pas le faire ici? D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, voilà, vas-y. Il me semble qu'il avait un Oh My God ici, mais bon. C'est moi qui suis fou. Je me barre. Oh, tu penses avoir une aussi grande allonge? Non, je suis déçu. Je pensais que ça passerait, là. Ah, je suis déçu. Ah, pour la peine, je vais prendre encore l'escalier. Hein. Il s'est bouffé un escalier, c'est pas assez, je pense. J'ai même envie de lui faire bouffer la barricade, mais maintenant, je suis plus sûr de rien. Ah ouais. Parce qu'en même temps, une bonne chose, c'est qu'il va plus pouvoir esquiver rien du tout. La phrase qui est complètement dans le désordre, je l'ai faite, là, je me suis rendu compte que ça ne va pas du tout. Bon, maintenant, est-ce que la barricade peut se péter ici? Je pense que oui. Faut se récupérer un peu. À part si Rollins ne pète pas de barricade, peut-être. Bah, c'est pas grave. On lui met des torgnoles, voilà. Pour compenser un peu tout ça. Peut-être que maintenant, il serait temps de, hop, faire le finisher, bien entendu. Et bim, le coup de genou. Magnifique. Regardez-moi ça, hop là. Bon, on a plus qu'à... On a plus qu'à... On récupère l'échelle. Mais je pense qu'il aura le temps de... Il aura le temps de se réveiller. En même temps, c'est Brock Lesnar. Meilleure note du jeu. Pour l'instant, il ne nous aura pas fait beaucoup de dégâts. Enfin, on peut pas dire ça comme ça, mais
On n'est pas loin de le dire quand même. Après, on a aussi un finisher. Hein. Faut pas l'oublier. Logiquement, le finisher, il l'a quand même. Attends, viens. Viens. Tu veux pas venir? Tu sais quoi? Oui, je connais. S'il veut pas. Voilà, viens. Viens là. Allez, monte! C'est quoi tous ces problèmes à chaque fois? Dans celui-ci, il a vraiment des problèmes à moins. Enfin, à interagir la superstar. Allô? Brock Lesnar? D'accord, bah, ok. Bah oui, Bistock, il est pas monté. Allez, viens. Tu sais pas monter? Tu veux que je t'apprenne? Bon, en fait, je pense que le problème, c'est peut-être que tu sais pas monter par là. Voilà. La petite feinte. Allez. Non, mais c'est. Allez, viens, monte. Tu montes. Allez, regarde, regarde. Tu parles de l'autre côté. Non, Brock Lesnar, il sait pas monter une échelle. D'accord? Bon, bah, ouais. D'accord, très bien. Et je suis sûr quand il faudra monter l'échelle pour récupérer la ceinture, il va le faire, mais plus vite que n'importe qui. D'accord, il est en train de tamper une danse. Hé, ma calena, ha! Et tic tac tac tic tac 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 tac. Il a attendu que je finisse pour. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on rigole, dis donc. Non, mais c'est bon, t'es pas sérieux là. Ah, il va vouloir me mettre en sang, je pense. Oh, ça c'est les coups de coude. Tu sens qu'à chaque coup, ça fait mal. Ah, tu le sens vraiment. La douleur. Bon, voilà. Tu sais quoi, bah, viens, viens. Table contre échelle. Table contre échelle. Allez, tiens. Et te relève pas, surtout, misérable. Vaurien. Je te dis donc. D'accord. J'ai rien dit, en fait. Je rigolais. D'accord. Bon, voilà. C'est peut-être le moment. Finalement, voilà, fallait laisser monter. Et pas autre chose. Tiens. Hop là. Aïe. Il veut pas. Il veut peut-être. Aïe! Je comprends pourquoi il veut pas forcément faire le Oh My God. Parce qu'on a plus d'endurance. Mais c'est pas grave. Moi je le jette comme ça, tiens! Allez. Sans Oh My God, c'est pas grave. Il est fatigué. Est-ce qu'on va avoir le temps? Bah si on le fait bien, le temps, on va l'avoir. Tranquillou. Pauvre Brock Lesnar, est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que oui. Hop là. On a le temps, mais on n'est pas là non plus. Pour aller trop vite. Et voilà, victoire de Seth Rollins. On l'a démonté. Malheureusement, voilà, j'ai pas pu faire le Oh My God que je voulais. J'en connaissais d'autres, mais je voulais faire cela. Et malheureusement, bah, ça n'a pas voulu. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Petit combat proposé par The Ends. Et puis sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!